Hey yo les gens, c'est Razan. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Go to the MOAB. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec le scorpion. Et avant de parler de ce scorpion, je vais tout simplement présenter le gameplay brièvement. Donc on se retrouve en domination sur la map Baccarat. Et je suis accompagné de XZ3Gamer, de Red Slider. Et je crois que oui, là, et Kinder Surprise, voilà. Et c'est tout. Donc ensuite... vous avez sûrement remarqué les intros au début de cette vidéo. Donc c'est l'intro de Nuke Zone, l'intro de Only Code et l'intro de The Community Code. Donc c'est tout simplement que je compte envoyer ce gameplay à ces trois chaînes. Donc parce que j'ai une moab au scorpion. Et une moab au scorpion, bah, je pense que c'est toujours c'est toujours agréable à regarder, c'est plutôt dur à faire. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'être upload sur leur chaîne. En espérant que bah, qu'ils me prennent, parce que je pense que c'est un gameplay qui est plutôt bon. Voilà, donc petite parenthèse sur les chaînes communautaires exécutées. Donc maintenant on peut parler donc de ce scorpion. Donc tout d'abord le scorpion, donc je l'utilise avec une classe tout ce qu'il y a de plus basique. Donc en arme principale, donc j'ai la PM9, mais ça c'est pas très important vu que je vais pas trop l'utiliser. J'ai utilisé juste pour un seul kill, je crois. Donc c'est pas énorme, et encore heureux, sinon ça serait pas une moab au scorpion, mais une moab à la PM9. Voilà, donc j'utilise avec donc au niveau des comme atout, j'ai assassin, visée solide et tour de passe-passe. Et je joue avec les atouts spécialistes, donc comme d'habitude, détermination, bonne gâchette et pillard. Et au niveau de mes accessoires, j'ai un radar portatif et un C4. Voilà, donc maintenant on peut parler de ce scorpion vraiment. Donc le scorpion, qui est une arme qui était présente dans Call of Duty Black Ops, et je crois que c'est tout. Et elle a quand même une petite ressemblance avec celui de Black Ops, même si bon, sur MW3 elle est disponible en tant qu'arme secondaire, alors que le scorpion de Black Ops était disponible en tant qu'arme principale, et il était disponible avec tir rapide. Et bon, c'est vrai qu'on peut pas avoir tir rapide en arme secondaire. Et il était vraiment beaucoup plus efficace, ce scorpion, avec tir rapide. Car sa cadence de tir, elle était pas vraiment énorme, elle est pas énorme. Et c'est pour ça qu'un tir rapide, ça a augmenté considérablement sa cadence et son efficacité. Voilà, donc je vous parlais d'un petit kill à la PM9, je crois que ça va être le dernier. Et donc ce scorpion de MW3, vu qu'on peut pas mettre tir rapide, ça en fait une arme secondaire très peu efficace comparé surtout à ces deux rivaux. Donc ces deux rivaux, je parle du FMG et de la MP9. Voilà, c'est la MP9. Parce que je vais pas trop comparer avec la G18, qui pour moi est à part. La G18 est beaucoup plus compliquée à gérer et beaucoup plus beaucoup moins efficace. Et c'est vraiment une arme très très difficile d'utilisation. Donc, comparé à ces deux rivaux, elle est moins efficace, elle est moins précise, et son viseur d'origine est pour moi le moins agréable, car le moins précis. Et c'est vrai que c'est une arme que je vais pas trop vous conseiller, à part si vous voulez vous mettre un petit peu de défi. Mais c'est une arme, bon là vous voyez que je vais tuer en quelques balles, mais je pense qu'il était déjà blessé. Mais c'est une arme que je vais pas vraiment vous la conseiller. Pour les débutants, je vous conseille plutôt de prendre la MP9 ou le FMG silencieux. Je parle bien du FMG silencieux, car le FMG Akimbo, je peux plus en entendre parler. C'est vraiment des armes complètement abusées niveau puissance. Et je pense que vous le savez déjà que ces armes sont complètement abusées. Que la communauté s'en plaint déjà assez, je pense. Mais
Donc voilà. Et ce scorpion, donc si vous voulez par contre tenter un petit défi sympathique, essayer de, je sais pas moi, comme moi, faire une petite moab ou faire un petit carnage avec ce scorpion, ben allez bien. Hein, si vous voulez vraiment l'utiliser en tant que défi, elle est parfaite. Donc, elle est pas facile du tout, mais elle n'est pas non plus trop compliquée. Donc comparé à des fusils à pompe, c'est plus facile de faire une moab avec ce genre d'arme qu'un fusil à pompe. Donc voilà. Je pense qu'on va avoir terminé avec ce scorpion, donc je vais vous le conseiller surtout dans les maps, enfin les petites maps et les moyennes maps. Donc sur Baccarat, c'est vrai que c'était pas un choix super judicieux, mais j'avais envie de tenter, sachant que, enfin vous avez remarqué dans cette vidéo, c'est que je reste vraiment dans les petits couloirs, je vais souvent rester à droite, et j'ai jamais essayé d'aller sniper avec mon scorpion, parce que je sais très bien que je vais pas avoir l'avantage, et que je vais me faire tuer par un ACR qui a le triple de portée que de mon scorpion. Vous voyez aussi au niveau de son chargeur, il a vraiment un tout petit chargeur. Donc évidemment, vous allez me dire, il faut utiliser chargeur grande capacité. Mais tenter une MOAB sans silencieux, pour moi, c'est impossible. Enfin, j'ai vraiment du mal, donc je suis obligé de jouer avec un silencieux. Même avec les fusils à pompe, j'essaie de tenter la MOAB avec silencieux. Même si c'est moins efficace, je préfère encore être furtif et être moins efficace. Que, être plus efficace mais à la fois beaucoup plus visible sur la carte et donc beaucoup plus vulnérable. Donc après ça c'est une habitude que j'ai de jouer avec un silencieux et c'est pour ça que ce scorpion j'utilise avec un silencieux et non un chargeur grand cap, même si je vous avoue qu'un chargeur grand cap c'est utile aussi hein. Je vous conseille d'utiliser soit le silencieux soit le chargeur grand cap hein. Car il y a combien il doit y avoir une petite vingtaine de balles sachant qu'elle tue peut-être en 5-6 balles, mais elle en met beaucoup à côté. Donc il faut impérativement utiliser pillard dans ses atouts. Ou alors, comme je l'ai fait lors du 5ème atout. Donc de manière à l'avoir quand même plutôt rapidement. Parce que sinon, vous allez vite être à court de balles et ça peut vous porter préjudice. Voilà, donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Parce que vous allez voir que mon prochain kill sera le kill de la mob. Vous voyez que là, il y en a deux qui arrivent. Donc là, je vais l'attendre, hein, je vais pas me presser. Et là, je vois qu'il arrive à gauche, donc je me dis, bah, c'est bon, je vais l'obtenir. Et il a réussi à s'enfuir à une balle près, je pense, je le tuais. Donc je vous avoue que le stress commence un petit peu à monter, là, je me fais une assistance. Et puis voilà, vous voyez là que j'obtiens la MOAB. Donc voilà, ce petit gameplay sympathique va se terminer. Parce que vous savez très bien que le Go to the MOAB, bah, ça se termine quand je lance la MOAB. Et quand je fais ma petite élimination multiple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.